Anaïs. Une première question très directe. À quoi sert le récit ? Alors, le récit, selon les narratologues qui ont épousé ce qu'on appelle le tournant cognitif, donc qui est un peu le courant dans lequel moi je situe mes recherches. Donc le récit servirait, selon ces hypothèses, à construire cognitivement l'individu, en fait. C'est-à-dire que les narratologues cognitifs font un lien entre la construction individuelle et la compétence narrative. La compétence narrative servirait à la construction individuelle. Et donc, il y aurait une forme d'indissociabilité entre l'expérience humaine en général et le récit. Bon, par exemple, pour quelqu'un comme Raphaël Baroni, l'attention narrative qui est instaurée par le récit, ce qu'on appelle tension narrative, c'est l'attente impatiente du dénouement, c'est-à-dire quand on a envie de connaître la suite du récit. Donc, cette tension narrative serait relié à une fonction anthropologique, c'est-à-dire que l'incertitude anticipatrice qui est créée par le récit est comparable avec l'expérience qu'on a de la temporalité de manière générale. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'attendre ce qui va se passer dans la suite de nos vies. Et pour quelqu'un comme David Herman, qui est un narratologue américain, l'expérience humaine n'est pas seulement l'objet de la narration, elle est rendue possible par l'acte même de raconter des histoires. C'est-à-dire que pour lui, on ne peut pas se représenter ce qu'est une expérience vécue sans le récit. C'est parce qu'on raconte des histoires qu'on peut avoir une expérience de notre vie. Et donc selon lui, en fait, le récit, c'est un outil pour penser. On ne peut pas penser sans le récit. Et donc, ce serait de la compétence narrative que dériverait la possibilité de construire des souvenirs, de conceptualiser notre identité, etc. Voilà. Et donc ça, c'est une hypothèse qu'on pourrait qualifier d'un peu maximaliste, c'est-à-dire que quelqu'un comme David Herman considère que c'est parce qu'on raconte des histoires qu'on a des capacités cognitives, mentales, etc. Une autre chercheuse américaine, enfin, d'origine suisse d'ailleurs, qui s'appelle Marie-Laure Ryan, pour elle, c'est un petit peu exagéré, elle considère que c'est inflationniste comme hypothèse, et elle présente l'hypothèse inverse, qui serait de dire que c'est parce qu'on a la capacité d'avoir des émotions, qu'on a la capacité d'interpréter la chronologie, et qu'on a la possibilité d'inférer des liens de cause à effet, qu'on peut raconter des histoires. Donc, elle inverse en quelque sorte le lien de causalité par rapport à ce que dit Herman. Et en fait, après, elle présente une troisième voie qui est que, selon elle, les capacités, les diverses capacités de l'esprit, c'est-à-dire la capacité donc de ressentir des émotions, la capacité de comprendre la chronologie, la capacité de faire des liens de cause à effet, sont liés de manière rétroactive à la capacité de narrative, en fait. C'est-à-dire que c'est parce que nous pouvons ressentir des émotions, etc., que nous pouvons faire des récits, mais inversement, le fait de lire des histoires, de raconter des histoires, renforce nos capacités cognitives. Donc, c'est un lien de boucle rétroactive, en quelque sorte. Voilà. Et après, des chercheurs comme Jean-Marie Schaeffer pensent que la capacité à l'immersion fictionnelle nous donne la possibilité de modéliser le réel. C'est-à-dire que la fiction n'est pas, les mondes fictionnels ne sont pas en opposition avec le réel, mais ils le modélisent. Et selon lui, en fait, ce qu'on appelle la mimésis, la capacité d'imiter en quelque sorte les comportements qu'on observe, est une condition absolument nécessaire à l'apprentissage, et le récit de fiction notamment, et la fiction de manière générale, fonctionne sur cette capacité à la mimésis, qui fait que donc c'est la fiction, selon lui, est un moyen d'apprentissage, en fait, est un outil d'apprentissage. Après, quelqu'un comme Lisa Sunshine, par exemple, pense que le personnage de fiction sert de support pour ce qu'elle appelle le mind reading, c'est-à-dire la capacité à attribuer des états mentaux à quelqu'un d'autre que nous-mêmes.
C'est-à-dire c'est que le personnage fictionnel permette de développer une connaissance de une capacité à interpréter les états mentaux d'autrui. Donc en gros, globalement, selon les chercheurs qui ont suivi ce tournant cognitif, le récit de fiction, ça sert notamment à penser le monde, construire son identité et renforcer des capacités cognitives préexistantes. Ouais. Alors, Anaïs, ça me donne envie de te poser la question suivante, qui est finalement la même question, mais en essayant de l'orienter de manière beaucoup plus contemporaine, en lien avec le monde d'aujourd'hui. À quoi sert le récit dans le contexte tout à fait particulier du monde qu'on est en train de vivre, du monde d'aujourd'hui? Alors, je pense que le contexte récent, contemporain, ce qui change beaucoup, selon moi, c'est la médiatisation du récit. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe à partir du 19e siècle et qui tend à être évidemment de plus en plus poussé au fur et à mesure du temps. Et c'est-à-dire que le récit passe par les médias, pas systématiquement, bien sûr, mais évidemment, si on compare à des contextes comme ceux de l'Antiquité, où c'est beaucoup de récits oraux, etc., là, les récits sont mis en forme pour être médiatisés. Donc ça, c'est ce qui change beaucoup, c'est ça qu'on appelle aussi la culture médiatique. Et ça explique aussi le fait que les récits soient marqués par une très très forte sérialisation à tous les niveaux. C'est-à-dire que le récit va être morcelé, découpé en morceaux, en épisodes qui sont séparés dans le temps. Et donc, aujourd'hui, le récit sert, comme il est pris dans un système capitaliste, il sert aussi à faire de l'argent, simplement. Il a une fonction, il n'a pas seulement une fonction anthropologique, il a aussi une fonction marchande. Là encore, évidemment, ça existait auparavant, c'est pas absolument nouveau, mais c'est très intensifié dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'il est produit souvent dans des contextes qui sont très contraints, à la fois économiquement et médiatiquement. Et du coup, comment dire, ça veut dire que ces fonctions anthropologiques du récit que j'ai présentées précédemment continuent évidemment à exister dans ces nouvelles formes de récit, mais elles sont prises dans un contexte marchand, capitaliste, qui fait qu'il y a une forme de ce que j'appelle d'exacerbation ou d'intensification des effets de suspense, notamment à des fins marchandes. Juste, pourquoi cette culture médiatique a besoin de récits ? Dans le sens, d'un point de vue purement économique, parce que ça fait vendre, tout simplement, aussi. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire que, le principe du roman feuilleton, qui est un des exemples un peu du 19e siècle de récits sérialisés, le principe du roman feuilleton, c'est vraiment, en gros, d'asservir le lecteur pour qu'il ait envie de lire la suite du journal. Donc, c'est un moyen supplémentaire pour que les lecteurs s'abonnent au journal. Parce qu'à cette époque, ça marchait par abonnement. On pouvait pas acheter au numéro. Et du coup, les rédactions de journal se sont rendues compte qu'elles pouvaient avoir une sorte un public régulier en présentant des histoires suivies, en fait. Donc, ça fait vendre. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander, du coup, à quoi touchent ces récits qui font tellement vendre ? C'est-à-dire, si ça marche bien, si les gens ont vraiment envie de continuer à lire, c'est que ça touche à quelque chose, quand même. C'est-à-dire, au-delà, sans se prononcer sur la qualité, sur la qualité ou non de ces différents récits sérialisés, qu'est-ce qui fait que quand on interrompt une histoire avec un gros cliffhanger en plein milieu, on a absolument envie de continuer à lire la suite. Et ça, je pense que c'est vraiment très lié aussi à une expérience de la temporalité. C'est-à-dire, et aux possibilités de modélisation du réel par la fiction. C'est-à-dire qu'on si on a tout le cas un peu caricatural d'un personnage qui est suspendu à une falaise, le cliffhanger, donc, et qu'on interrompt le récit au moment où il est,
où on ne sait pas s'il va tomber ou pas, on a envie de savoir la suite parce qu'on se projette dans cette situation qui nous rappelle, qui nous rappelle notre expérience humaine, en fait. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle l'immersion, en fait, fictionnelle. C'est-à-dire, on peut se mettre à la place du personnage, soit projeter des sentiments d'attachement vis-à-vis de ce personnage qui fait qu'on n'a pas envie qu'il meure. Et tout simplement aussi parce que l'auteur nous a caché une information, à savoir comment ça va se finir. On a envie de deviner cette information et de savoir ce qui va se passer. Donc ça, c'est lié au fait aussi que dans notre vie quotidienne, on est confronté en permanence à une série d'incertitudes sur ce qui va nous arriver. Et ces incertitudes, on les projette aussi sur du récit de fiction. Et c'est pour ça que des techniques narratives qui reposent sur le fait de frustrer les lecteurs, les spectateurs du dénouement, fonctionnent toujours aussi bien. Alors, j'aurais envie de revenir un peu un petit pas en arrière, parce que tout à l'heure, tu nous as fait une espèce de panorama des fonctions du récit, d'à quoi sert le récit chez les humains, dans lequel tu as abordé quelque chose, en parlant de Jean-Marie Schaeffer notamment, du fait que le récit permet de modéliser le réel. En l'occurrence, on a la sensation qu'on va vers un monde de plus en plus compliqué à décoder, à comprendre, et une partie des problèmes qu'on affronte collectivement sont liés à cette complexité croissante, d'ailleurs, et du coup, cette difficulté à décoder ce qu'on a face à nous. Et du coup, j'aimerais que... Je trouve passionnant cet angle de vue, le fait que le récit permet de modéliser le réel, mais est-ce que ça t'ennuierait de nous en dire un peu plus sur ce que tu veux dire par là, et ce que ça voudrait dire par là, modéliser le réel, le récit comme manière de modéliser le réel, pour nous, scénaristes qui cherchons à mettre en place des structures qui permettent d'aboutir à des récits. J'ai l'impression qu'il y a un endroit super essentiel pour nous. Ouais. Alors, ce qu'on appelle la modélisation du réel, c'est aussi lié à la mimésis, c'est-à-dire au fait que, en fait, en gros, quand on va créer une sorte un récit de fiction, on va s'appuyer sur le monde réel pour le construire. C'est-à-dire, un monde fictionnel n'est pas complètement hors sol. Évidemment, il y a plein de choses qui se rapprochent, y compris dans des genres qui peuvent paraître très éloignés de notre monde à nous, comme la science-fiction. Ça reste complètement, c'est des genres qui restent tout de même mimétiques à plein d'égards du réel. C'est-à-dire, il y a des êtres vivants, généralement, qui sont dotés de capacités de pensée, qui communiquent entre eux, voilà. Donc, il y a toujours des choses qui sont, tout est emprunté au réel, en fait, en permanence. Et donc, du coup, le fait de construire des mondes narratifs, des mondes fictionnels, c'est une sorte de, ça reste évidemment ancré dans le monde réel. Et ça sert un petit peu, vous voyez, c'est imaginer un modèle réduit d'un bateau, le lien entre le vrai bateau et le modèle réduit en quelque sorte. Sauf que tout est à un niveau mental, évidemment. Du coup, il y a vraiment, c'est une possibilité de tester. Ça peut être une possibilité de tester des hypothèses, de scénarios. Qu'est-ce qui se passerait dans le monde réel s'il y avait une pandémie. Et voilà, et vous voyez, du coup, ça fait, comme il y a des gens qui ont déjà imaginé ces scénarios fictionnels, ça fait que quand le monde est effectivement confronté à une pandémie, on se réfère très très souvent à des films, à des livres pour essayer de conceptualiser et d'interpréter ce qui nous arrive. Est-ce que ça répond à la question, du coup? Alors, moi, j'enchaîne peut-être le sujet me paraît vertigineux et passionnant. Donc, tu y réponds en partie, mais ça continue à m'interroger en ce sens que est-ce qu'il s'agit, au travers du fait de modéliser le réel par le récit,
Est-ce qu'il s'agit de mettre en place une espèce de cartographie du réel? Est-ce qu'il s'agit de le circonscrire, de le contrôler? Est-ce qu'il s'agit de l'apprivoiser pour se désangoisser? C'est quoi le... Ah, ça peut être tout à la fois. En fait, je pense vraiment, là, pour le coup, ça, selon l'intention des auteurs, selon le genre dans lequel on se situe, selon la manière dont les récepteurs l'interprètent, ça peut être mille choses différentes. Bon, je sais pas, une utopie, ça va plutôt être pour nous rassurer, je pense, et une dystopie, ça a plutôt le rôle de nous interroger sur ce qui pourrait arriver comme scénario catastrophique dans le monde. Une dystopie, on va tester un modèle politique absolument effrayant, et c'est une manière aussi peut-être d'actualiser un scénario possible, de le tester un peu jusqu'au bout pour voir ce que ça donnerait, et puis peut-être pour s'en prémunir à l'avenir. C'est une des fonctions possibles, mais il y en a plein d'autres. Ça dépend vraiment. C'est-à-dire avec une modélisation, on peut faire vraiment vraiment beaucoup de choses. Et sachant qu'en plus les capacités imaginatives ont assez peu de limites, bon, du coup, ça peut avoir vraiment beaucoup beaucoup de fonctions différentes, dont celle de mieux comprendre le monde dans lequel on évolue actuellement. Mais après, c'est pas nécessairement la principale fonction. Ça peut être aussi de se rassurer, de vivre un peu une autre vie sur un mode un peu escapiste. C'est une fonction possible, et c'est une fonction essentielle d'ailleurs de se projeter dans une autre vie, d'imaginer qu'on est quelqu'un d'autre, de s'identifier à un personnage de fiction, ou de ressentir de l'empathie. Voilà. Donc disons que ce qu'on appelle cette fonction de modélisation, ça peut avoir plein de conséquences et de différentes. Dans nos échanges, j'ai la sensation d'avoir compris que tu t'intéressais au lien entre tension narrative et espèce de fonction de prévoir l'avenir. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Alors, de prévoir l'avenir, je pense que ce serait bien pratique, mais je pense que ça... Bon. Mais plutôt d'anticiper différents scénarios possibles pour l'avenir. C'est-à-dire que quand on lit une histoire de fiction, on attend le dénouement, parce qu'on est poussé à l'attendre par l'auteur, on a envie de savoir ce qui se passe, et cognitivement, du coup, on est poussé à produire différents scénarios. Ça peut être très binaire, hein, c'est-à-dire si c'est une situation très, très simple, comme un personnage suspendu à une falaise, est-ce qu'il meurt ou est-ce qu'il s'en sort? Et puis après, on peut faire des scénarios un peu plus élaborés en se disant, mais comment il pourrait s'en sortir? Il y a quelqu'un qui pourrait le secourir, ou voilà. En fait, et donc, à chaque fois qu'on attend un dénouement, il se produit ce que Raphaël Abaroni appelle une disjonction de probabilité. Et on fait une sorte de, en gros, c'est un mélange de calcul probabiliste entre, là, il y a plus de chances qu'il se produise ça que ça, et un mélange d'engagement émotionnel qui fait que on va peut-être privilégier certains scénarios plutôt que d'autres selon notre attachement au personnage. Par exemple, typiquement, si on regarde un film qui est dans un genre très très contraint, où ça se, par exemple, je sais pas, une comédie romantique où ça se termine toujours, où on sait très bien que ça va se terminer bien et que le héros et l'héroïne vont finir par se marier, ou au moins finir ensemble. Si on rentre dans le film et qu'on l'apprécie, on a envie que les personnages finissent ensemble, et on sait très bien qu'ils vont terminer ensemble, mais dès qu'il y a une péripétie, si on est attaché au personnage, il y a l'aspect émotionnel qui prend un peu le dessus, et on se dit, oh là là, mon Dieu, mais il pourrait se passer ça et ça qui font que, en fait, ça va mal se finir, ce film. Même si on sait très bien qu'on est dans un genre cadré et que ça va bien se terminer. C'est-à-dire, du coup, ce qui est assez intéressant avec la tension narrative, c'est que le suspense, la curiosité, c'est qu'on peut les ressentir dans un contexte où apparemment, en fait, on ne devrait pas en ressentir.
Parce que on sait très bien comment ça va se terminer. On peut ressentir à nouveau du suspense pour en regardant un film qu'on a déjà vu. Et voilà. Et du coup, c'est relié, je pense, à notre besoin d'anticiper ce qui va se produire dans la vie réelle. Et du coup, évidemment, ça va pas nous lire des récits, plein de récits, etc., ne va pas nous permettre de produire, de prédire l'avenir, ça c'est évident. Mais ça exerce en quelque sorte notre capacité à anticiper le futur, notre capacité à faire une sorte de calcul de probabilité de ce qui pourrait se passer. Et c'est une sorte d'entraînement à la vraie vie en quelque sorte. Ouais. Là, vous touchez à un sujet qui m'est très cher, qui est la fin dans les récits cinématographiques ou littéraires. Alors, justement, par exemple, moi, je suis un fan des films James Bond, évidemment, je danserai déjà dès le début des premières images, je sais ce qui va arriver, bien sûr. Et même, je regarde, je ne sais pas, des dizaines de fois, les mêmes films, bien sûr, les mêmes films de James Bond. Mais, alors, justement, vous avez parlé de ce plaisir d'anticipation et créer notre propre scénario après, donc d'une certaine manière. Mais quel est le mécanisme qui déclenche en moi cet intérêt-là et ce plaisir de regarder encore et encore la même chose, ce plaisir de répétition? Alors, pour la répétition en particulier. Voilà, oui. En fait, je pense que de toute façon, de façon générale, le plaisir de l'anticipation, il se loge à deux niveaux, en quelque sorte. Le niveau du monde fictionnel, le fait d'être immergé dans une histoire, et un niveau qui est un niveau méta-narratif, en quelque sorte. À la fois, le plaisir de l'anticipation, c'est le fait de vibrer avec des personnages qu'on aime bien, d'être en empathie avec eux et d'être concerné, de se sentir concerné par leur sort. Et où donc on a envie de savoir s'il va leur arriver. Et aussi, il y a un plaisir qui est le fait qu'on sait très bien qu'on n'est pas dans le réel, qu'on est dans une histoire racontée par quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui maîtrise cette histoire. Et qui est en train de nous cacher des choses pour nous les révéler ensuite, et qui nous manipule d'une certaine manière, parce que c'est ça, raconter une histoire, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte une histoire peut repousser le dénouement, peut rajouter des péripéties, et du coup il y a dans le plaisir de l'anticipation, il y a aussi le fait de se dire ah celle-là je l'avais pas vu venir, je me suis bien fait avoir, et puis en fait c'est un plaisir aussi de ne pas réussir à anticiper ce qui va se passer par exemple. Donc voilà, il y a deux niveaux, le niveau purement de projection des personnages comme si c'était des personnes réelles pour lesquelles on ressent de l'empathie, et un niveau métanarratif qui est celui de il y a quelqu'un qui me raconte une histoire, je ne maîtrise pas cette histoire et j'essaie de deviner ce qu'il va faire, et parfois j'y arrive et des fois je suis contente parce que j'y arrive, et donc il y a ce plaisir un peu de ah je le savais, et des fois ça marche pas, on n'arrive pas du tout à deviner ce qui va se passer, puis on est content aussi parce qu'on se dit ah ça je l'avais pas vu venir, c'est très surprenant, voilà. Et puis des fois on n'est pas content parce qu'on se dit non là c'est vraiment trop prévisible et je m'attendais à un peu plus d'originalité, voilà. Donc il y a un peu ce double plaisir là d'être immergé vraiment complètement dans une histoire, et en même temps de savoir que c'est un peu une sorte de tour d'illusion, de tour de magie, et qui fait qu'on a envie de savoir comment s'y prend le magicien en quelque sorte. Et pour ce qui est de la répétition, c'est-à-dire le fait qu'on éprouve du plaisir à retrouver tout le temps le même film, en fait il y a plusieurs explications possibles, mais après il y a le lien émotionnel, l'attachement affectif qu'on peut avoir pour des personnages, pour un monde de fiction. Si on aime bien un personnage, on est content de le retrouver. Et le fait qu'on continue de ressentir du suspense, c'est possiblement parce qu'on se met au niveau de ce personnage en termes de connaissances. Évidemment, si on regarde un James Bond et qu'on l'a vu 50 fois, on sait très bien à quel moment tel engin va exploser, etc. À quel moment il va se faire capturer, mais à quel moment il va réussir à s'enfuir. Mais donc, on a une sorte de supériorité cognitive très forte par rapport au personnage, puisqu'on sait comment ça va se finir.
Donc lui, est dans le personnage, James Bond, lui, est pris dans les événements et ne sait évidemment pas comment ça va se terminer. Mais le plaisir de revoir un film, c'est lié au fait que, d'une certaine manière, on fait semblant, en quelque sorte, de se mettre au niveau du personnage, dans ce qu'on sait. Et ça fait qu'il y a à nouveau cette disjonction de probabilité qui peut se produire. C'est-à-dire que si on voit jaillir un méchant dans un James Bond qu'on a vu 50 fois, on est quand même en train de se dire « Ah là là, mon Dieu, là, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça pour s'échapper. » Ou alors « Oh, il va lui arriver ça », alors qu'on sait très bien que quel scénario a été effectivement actualisé par les scénaristes. J'étais en Inde, dans une salle de cinéma, en train de regarder vraiment un film, j'étais avec mon fils, un film Bollywood. Et derrière nous, il y avait deux amis indiens qui étaient là, et l'un qui racontait en avance ce qui va arriver dans le film, à son copain qui venait juste, c'est pour la première fois qu'il voyait ce film-là. Donc, une fois, deux fois, à un moment donné, je me suis tourné, je lui ai dit, bah, « Please, s'il vous plaît, laissez-nous regarder, donnez-nous le plaisir de découvrir le film. » Ils sont excusés, mais ils ont ensuite son copain qui était venu la première fois voir le film, il lui dit « Bon, laisse tomber, allez, raconte-moi encore ce qui va se passer. » Donc, là, du coup, son plaisir à lui était plus fort que le mien. Parce que moi, je découvrais, mais lui, il voulait découvrir avant tout le monde, avant les autres spectateurs. Vous voyez, donc, c'est pour ça. Donc, pourquoi lui, j'ai senti que l'intensité narrative chez l'autre était plus forte que le mien. C'est la problématique des spoilers aussi, hein, qui actuellement qui est très forte dans le cas des séries télévisées. Le problème de la série télévisée dans la culture médiatique, dans l'ère du web 2.0 où tout le monde peut commenter en temps réel ce qu'il voit, c'est qu'en fait si un spectateur est décalé sur le calendrier de réception d'une série télévisée, bah, il suffit qu'il tape le nom de la série sur internet pour être spoilé et apprendre ce qui va se passer. Et voilà. Et du coup, là, il y a toujours ce truc. Le spoiler, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et l'importance médiatique du spoiler, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant quand on est narratologue, parce que ça montre bien justement cette sorte de sacralisation ou non du dénouement. Et de, ou plus exactement, du fait de ne pas connaître le dénouement. Et parce que sur le spoiler, l'attitude des gens est très très différente selon la manière dont ils apprécient de vivre une expérience narrative et selon aussi le lien qu'ils entretiennent avec un récit donné. Et c'est-à-dire que il y a des gens qui vont à tout prix essayer d'avoir toutes les informations possibles sur la fin de la série parce qu'ils ont tellement peur d'être déçus, par exemple, que ils vont volontairement se spoiler la série, et d'autres qui vont essayer d'éviter à tout prix toute forme de spoiler. C'est un petit peu comme pour les romans policiers. Si on commence un roman policier, il y a des lecteurs qui vont tout de suite aller regarder la fin, les dernières pages pour savoir qui est le meurtrier, tandis que d'autres vont à tout prix éviter de le faire. Et du coup, en fait, je pense qu'une partie du plaisir de la tension narrative, de l'anticipation, etc., c'est le fait justement de maîtriser en quelque sorte le moment où on va connaître le dénouement. D'ailleurs, il y a des gens qui détestent être spoilés, d'autres qui préfèrent aller tout de suite voir la réponse à leurs questions brûlantes. Donc, en gros, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que déjà, en tant qu'individu, on n'a pas tout à fait forcément la même réaction selon le film, selon la série. Hein. Je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé de me spoiler volontairement un film et d'autres. J'ai fait très attention à ne pas le faire. Je pense que c'est un peu pareil pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, ça peut être très variable selon l'objet en face duquel on est.
Donc, il y a ça peut varier selon l'objet, mais ça peut aussi varier selon la personne. Et donc, voilà. Du coup, il y a des gens qui aiment bien, pour qui c'est normal de raconter la fin. Et puis, je pense que dans l'exemple que vous donnez aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'il y a le plaisir de raconter soi-même l'histoire, en fait. Donc, c'est vraiment une forme de réappropriation du récit de la part du spectateur qui raconte à son pote comment ça va se terminer. C'est une manière aussi de le raconter à sa façon. Et le plaisir de partager une connaissance qu'on a et que l'autre n'a pas. C'est-à-dire, moi, je sais quelque chose et je tiens absolument à te le dire. Il y a des choses comme ça qui se passent. Mais voilà. Mais évidemment, mais c'est le cinéma, c'est assez intéressant pour ça, parce qu'il y a toujours un peu ce truc. Comme c'est vraiment un des cas où on regarde le récit dans un espace social partagé, on peut observer vraiment plein de réactions différentes. Voilà. Et puis pareil, après, et c'est évident que la tension narrative n'est pas du tout vécue de la même manière que par tout le monde. Il y a des degrés de... Enfin, c'est plus ou moins intense, je ne sais pas, une salle de cinéma, un film d'horreur, une salle de... Enfin, tous les spectateurs qui sont dans une salle de cinéma n'ont pas du tout la même réaction. Quoi. Il y en a qui ont très peur, d'autres pas du tout, d'autres que ça fait rire, qui trouvent ça ridicule, j'en sais rien. Et même un effet de surprise très, très marqué, tout le monde ne va pas nécessairement sursauter. Alors, je sais même pas si je me suis pas perdue dans le film. on est là pour se perdre, pas de problème. moi, j'aimerais te poser la question suivante, revenir sur l'autre versant du récit qui est non pas la narration, la tension, mais plus la fabrique de sens, c'est-à-dire de ton angle de vue. En tant que narratologue et analyste du fonctionnement du récit, la fabrique du sens, qui semble quand même être un des propos fondamentaux du récit, c'est quand même de fabriquer du sens. Comment s'opère la fabrique du sens dans ton angle de vue à toi? Alors, la fabrique du sens, pour moi, c'est une question très complexe parce que elle est liée à l'interrelation entre tous les éléments qui construisent la chaîne du récit. Donc c'est un acte de communication, le fait de raconter une histoire. Et donc moi, particulièrement, comme je m'intéresse à la culture médiatique, je m'intéresse à un contexte où il y a énormément d'échelons différents dans ce processus de communication. C'est-à-dire qu'il y a, bon, au niveau de la production, il y a déjà... Bon, il y a le niveau le plus simple, c'est celui de l'auteur, qu'il s'agisse d'un scénariste, d'un auteur, d'un romancier ou autre. Mais évidemment, un auteur est pris dans un système de production qui le dépasse, c'est-à-dire que ce soit un éditeur ou un studio de cinéma, tout ce qui va permettre à l'objet d'exister. Et donc, il y a des contraintes un peu spécifiques selon les objets, selon les maisons d'édition, les studios de cinéma, etc. Et en fait aussi, un auteur ne s'est pas construit évidemment tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'il a vu des films avant, il a lu des livres, il s'inscrit dans un genre qu'il remet plus ou moins en question. Donc, en gros, déjà au niveau de la production, il y a déjà plusieurs couches de sens qui s'accumulent. Ensuite, ça passe aussi dans le cas que j'étudie moi, celui de la culture médiatique, ça passe par le média, les médias, l'écologie médiatique. C'est-à-dire que du coup, il y a des contraintes de distribution précises, des contraintes de réception. Et qu'ensuite, un récit qui est diffusé à la télévision, par exemple, il a une existence médiatique qui dépasse la télévision, la seule télévision. C'est-à-dire, déjà, il s'inscrit dans une grille de programmes, il est cadré par la publicité, par la présentation, il est cadré dans la grille de programmes télévisés. Ensuite, les gens parlent sur Internet, les gens réfléchissent entre eux, les gens en discutent. Et donc, il y a aussi, dernier niveau, celui de la réception. Et où là, c'est aussi quelque chose de compliqué parce que les gens qui regardent une série, qui lisent un livre, pareil, ont lu beaucoup de séries, beaucoup de livres, ont regardé beaucoup de séries, regardé beaucoup de films avant, donc ont le prisme de leurs expériences précédentes.
C'est une expérience individuelle aussi pour les gens qui sont confrontés à un objet narratif, c'est-à-dire que ça va rentrer en résonance ou pas avec des choses qu'on a vécues en tant qu'individu. Et c'est une expérience qui est aussi intersubjective, c'est-à-dire que le sens se construit dans l'interaction avec autrui, c'est-à-dire à la fois avec les intentions qu'on projette sur l'auteur, mais aussi d'autres gens qui appartiennent à la communauté interprétative, c'est-à-dire une série télévisée, on va en discuter près de la machine à café avec des collègues, un roman, on en discute avec sa famille, des choses comme ça. Donc en gros, le sens, il se crée en passant par une multiplicité de canaux différents qui font que, en fait, c'est impossible de figer le sens d'un récit donné, mais ce qui est rassurant hein, d'une certaine manière, parce que il a une existence cet objet qui forcément échappe à son créateur, qui déjà d'emblée échappait à son créateur, avant même peut-être même qu'il ait créé l'objet, qui s'inscrit dans une écologie médiatique et qui fait que du coup, il y a pas de, c'est difficile d'avoir une sorte de consensus sur le sens d'un objet. Il peut s'en créer des formes de consensus. Je ne sais pas, par exemple, c'est un peu peut-être aussi le rôle des journalistes, des critiques, de la critique de cinéma ou littéraire, par exemple. Hein. Il y a un truc un peu prescriptif, c'est-à-dire, là, on a repéré les meilleurs livres de cette rentrée littéraire, des choses comme ça, et où, de fait, ça va des voix qui sont considérées comme légitimes, telles que celles des journalistes, vont peut-être créer un consensus sur tel livre est effectivement exceptionnel, des choses comme ça. Ça peut être un consensus qui se crée aussi parmi des communautés de fans, par exemple. Il y a beaucoup de manières possibles de créer du consensus autour d'un récit de fiction, mais il est très très difficile à prévoir par avance. Et des fois, on a c'est assez classique dans la culture médiatique que des œuvres prennent un sens qu'elles n'ont pas à l'origine. En fait. Justement, on a parlé de plaisir de répétition, plaisir d'anticipation, etc. Alors, il y a donc un plaisir de sens aussi. Je pense. Et comment ça se fait? Comment se fabrique chez le récepteur? Comment se fabrique le sens? Je pense encore une fois, c'est quelque chose de. Il peut se fabriquer de plusieurs manières. Donc chez le récepteur, vraiment. Je pense que il y a d'une part des questions d'ordre individuel purement. Hein, c'est-à-dire tel récit, je ne sais pas, si quelqu'un a perdu sa grand-mère il n'y a pas longtemps et qu'il regarde un film qui met en scène la mort d'une grand-mère, il va peut-être être particulièrement touché par cet événement en particulier. Voilà, bon, ça c'est un exemple un peu caricatural, mais c'est en tout cas, je pense qu'il y a des formes de résonance entre une expérience vraiment individuelle et un film. Après, au-delà de ça, sachant qu'un personnage qui meurt, pour le coup, c'est quelque chose ça touche à quelque chose de beaucoup plus général, évidemment. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être très très personnelles dans le lien à un film. Il y a des choses aussi qui peuvent être encore une fois intersubjectives, c'est-à-dire que c'est en discutant avec d'autres personnes que je trouve une nouvelle couche de sens dans un film ou dans un livre. C'est pas si je lis un livre et que j'ai pas trouvé ça génial et que quelqu'un me dit mais oui mais regarde ça pourtant c'est très intéressant et moi je l'interprète comme ça et je me dis ah tiens j'avais pas pensé et du coup tout d'un coup je me mets à réfléchir à la manière dont je perçois et j'interprète ce livre. Donc ça se crée aussi au niveau de la discussion et puis après ça peut être aussi quelque chose d'institutionnel, c'est-à-dire je pense qu'il y a des films aussi ou des livres qui créent du sens parce que on les a quasiment institutionnalisés comme tels, c'est-à-dire tel livre ou tel film qui est perçu de façon assez générale comme un chef-d'œuvre. D'une certaine manière, tout est fait pour qu'on reçoive ce film ou ce livre d'une manière plus forte que d'autres objets. Et inversement, des films qui sont institutionnalisés comme navets, en quelque sorte, comme ils sont cadrés de telle manière, de cette manière-là, on va les recevoir comme quelque chose de
plutôt drôles que des choses que comme des objets vraiment sérieux. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, ce qui joue aussi là-dedans, donc il y a le rôle de l'expérience personnelle, les constructions intersubjectives et aussi des formes de cadrage. Ça, c'est la notion de Goffman, hein, les cadres de l'expérience. C'est-à-dire que quand on reçoit un objet, il est aussi pré-cadré en quelque sorte. C'est-à-dire on a des indices sur la manière dont il faut le recevoir et des sortes d'instructions plus ou moins explicites sur la manière dont on peut lire ou regarder cet objet. Par exemple, je ne sais pas si on est un lecteur de, j'en sais rien, de Télérama, notre réception va être cadrée par la critique quand on regarde le programme télévisé par la critique de Télérama qui va nous encourager à y voir dans ce film tel ou tel aspect qu'on n'aurait peut-être pas vu par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des voix un peu qui sont considérées comme un peu plus légitimes qui crée une forme de consensus autour d'un objet. Ouais. Alors justement, sur ce sujet, y a une question que j'aimerais vous poser, parce que on a tendance à opposer effectivement des films bien notés par Télérama à des films moins bien notés parce que trop épais ou trop industriels dans leur manière d'être, dans le comment ils sont fabriqués. Dans la fabrique du sens, c'est pas forcément une évidence. Quel est le type de film qui fabrique le plus de sens? Et j'aimerais vous entendre là-dessus, entre fabrique industrielle de récits censément ne pas fabriquer tant que ça de sens, et du cinéma dit d'auteur censé fabriquer du sens. C'est quoi le résultat chez le spectateur? C'est une question qui est d'ordre sociologique, hein, quasiment. Ce qui est intéressant en plus, c'est que là, on est dans une période un peu nouvelle de ce point de vue-là, une période assez post-moderne, hein, et on n'est plus trop dans une esthétique moderniste qui consistait peut-être justement à opposer très clairement la culture industrielle à la culture, qui est une culture élitiste. Hein. Donc il y avait ces oppositions-là très, très marquées. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus poreux, les liens entre les deux, y compris dans la critique, parce que, un journal comme Télérama, qui historiquement favorisait plutôt le cinéma d'auteur, la nouvelle vague, etc., continue bien sûr de favoriser ce type de production-là, les productions indépendantes, mais reçoit de façon tout à fait positive des beaucoup de films qui sont issus de la culture hollywoodienne, des films à gros budget, des films de super-héros, etc. Et du coup, l'opposition entre les deux est beaucoup moins stricte peut-être qu'il y a quelques décennies en fait dans la perception. Après, sur la fabrique du sens elle-même, je pense que c'est un peu difficile de relier absolument le fait qu'un objet ait du sens ou pas à exclusivement son mode de production. C'est-à-dire que si, en fait, un objet qui est produit d'une façon qui pourrait nous apparaître comme purement industrielle peut quand même très bien produire du sens chez une partie des spectateurs ou des lecteurs. Et parfois dans un sens qu'on n'avait pas prévu. Et l'intérêt, en quelque sorte, des produits culturels qui sont fabriqués dans des contextes très contraints, très très hollywoodiens, etc., c'est que ils vont chercher à comme le but c'est de faire produire de l'argent le plus possible, ils vont chercher à s'adresser au plus de gens possible. Et du coup, d'une certaine manière, le fait de chercher à parler à plein de gens, c'est une manière de produire du sens, en fait, en vrai. Du coup, les fonctions marchandes d'un objet ne sont pas antagonistes à ces fonctions, au fait de créer du sens du tout. Et inversement, un livre ou un film qui est issu d'une culture de ce que Bourdieu appelait le sous-champ de la production restreinte, peut rencontrer comme problème le fait qu'il va s'adresser à une élite exclusivement. Et donc il va créer du sens, certes, mais uniquement pour une toute petite partie de la population. Donc là, je présente les choses de manière assez caricaturale,
Mais en gros, le sous-champ de la production restreinte, c'est aussi construit en réaction à des objets qui s'adressent à tout le monde. Et avec le risque que ça produit une sorte de... d'étranglement du sens, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va se, on va créer une forme de sens qui n'existe que pour des gens qui ont un capital culturel extrêmement fort, qui ont déjà, qui ont des connaissances de mise en scène ou de techniques d'écriture assez pointues, qui sont vraiment capables d'avoir des analyses cinématographiques ou littéraires très pointues. Voilà. Bon, bah, je sais pas. Par exemple, c'est le cas le plus extrême étant de la poésie très, des poèmes qui sont tout à fait incompréhensibles pour des gens qui sont pas déjà pré-initiés à la poésie. Voilà. Du coup, il y a un petit peu cet équilibre-là qui est difficile, qui est pas évident à trouver quand on essaie de construire le sens, quand on est un auteur ou un scénariste, je pense, qui est, quels sont les moyens de production dans lesquels s'inscrit l'objet qui va être produit? Et comment s'adresser, à qui est-ce qu'on veut s'adresser? Parce qu'après, ça peut être très bien l'intention des auteurs de se dire, moi, ce que je fais, ça m'intéresse de m'adresser seulement à des gens qui connaissent très très bien déjà tel champ littéraire. Et puis, j'ai pas du tout envie de m'adresser à un public plus important que ça. Après, si on cherche à s'adresser à un public beaucoup plus large, c'est là que la question devient complexe d'une certaine manière. Comment éviter de s'inscrire dans des recettes un peu type manuel de scénario tout en parlant à un nombre de gens important? Ça, c'est une question qui est pas évidente, parce que l'intérêt des recettes, en quelque sorte, même si elles, des manuels de scénario, c'est que même si de toute façon déjà ça marche pas nécessairement, ce qui est là encore une fois un peu rassurant, parce qu'on peut faire un gros bide en suivant à la lettre un manuel de scénario. Mais l'intérêt, c'est que ça pousse plutôt à produire des objets qui sont pas nécessairement élitistes, en fait. Alors, dans ce cas-là, chez le spectateur, lequel est plus jouissif? Donner un sens à une œuvre, son propre sens à une œuvre qu'il vient de voir, qu'il vient de lire, ou découvrir le sens que l'auteur a essayé de donner à son œuvre, qu'il a fabriqué à son œuvre? Je sais pas si on peut classer les, si on peut dire que l'un des deux est plus jouissif de manière générale. Je pense que les deux formes de plaisir font partie du plaisir narratif, en fait. C'est-à-dire que de toute façon, quand on regarde un film, par exemple, on projette une intention d'auteur. Et c'est vrai que des fois, la manière dont on interprète le récit ne se conforme qu'assez peu à l'intention de l'auteur. Mais je sais pas, par exemple, pour les séries télévisées, une partie du plaisir, c'est justement de vérifier que, comme maintenant, avec l'internet, on a accès à plein de sources et qu'on peut lire, on peut apprendre plein de choses sur les coulisses des séries télévisées ou des films, etc. Une partie du plaisir, c'est de, je sais pas, peut-être une fois qu'on a déjà regardé une série ou un film, c'est de se dire, mais en fait, est-ce que mon interprétation, la manière dont j'ai vécu ce film ou cette série, est conforme à ce qu'a voulu produire l'auteur comme effet? Et du coup, le fait d'aller chercher des interviews des auteurs, des scénaristes, pour vérifier ça, ça fait partie du plaisir d'une certaine manière. Et du coup, je pense qu'effectivement, ça peut arriver que ça produise un effet décevant si on se rend compte que l'auteur n'a pas du tout voulu faire ça et qu'on était à côté de la plaque par rapport à ce que l'auteur a voulu faire. Ouais, je sais pas. Après, je pense que c'est aussi, ça peut être aussi un plaisir tout à fait agréable de se réapproprier une œuvre. Ce que font beaucoup de fans, hein. Par exemple, la réception fanique, les fanfictions, c'est tester d'autres des réactions scénaristiques possibles que celles qui ont été actualisées par le film ou la série.
Créer des relations amoureuses entre des personnages qui n'en ont pas dans le film ou la série, par exemple. Donc, il y a un plaisir qui est quand même très, très fort aussi à faire exactement le contraire de ce qu'ont voulu les auteurs ou les scénaristes. Par exemple, moi, j'ai travaillé pas mal sur un corpus de live tweets écrit par les spectateurs de Downton Abbey lors de la diffusion du tout dernier épisode de la série Downton Abbey. Donc, Downton Abbey, qui est une série anglaise, une série d'époque, très familiale, c'est-à-dire qui était suivie par des familles, en fait, par des gens de générations différentes. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce tout dernier épisode, c'est qu'il était diffusé le jour de Noël. Donc, les gens étaient en famille. Et donc, les gens qui live-tweetaient, il y avait des gens qui attendaient avec beaucoup, beaucoup d'impatience ce dernier épisode et qui étaient à fond dedans. Mais d'autres qui se retrouvaient là parce qu'ils étaient chez leur grand-mère et que leur grand-mère tenait beaucoup à regarder Downton Abbey. Et donc, ils commentent Downton Abbey du point de vue de quelqu'un qui n'a vu aucun épisode ou quasiment aucun, et qui regarde ça en se disant mais qu'est-ce que c'est nul, voilà. Et du coup moi l'intérêt pour moi de ce corpus là c'est que ça permettait de voir comment réagissent aussi au récit des gens qui trouvent ça pouille en fait. Et ce qui était intéressant c'est que en fait même les gens qui trouvaient ça nul produisaient des scénarios possibles. Et là, il va se passer ça et tout, mais des scénarios évidemment très sarcastiques, quoi. Et donc du coup, à s'imaginer que Downton Abbey, des invasions d'extraterrestres, des choses comme ça, enfin des trucs, des scénarios qui pour le coup ne se conformaient pas du tout au genre et qui n'étaient pas du tout faits pour deviner ce qui allait se réaliser, mais plutôt pour décrédibiliser la série en fait. Voilà, donc, ou alors imaginez dire ah, c'est une série de droite, c'est horrible, c'est des aristocrates, donc là ce qui serait trop bien c'est que les serviteurs se rebellent et les massacrent tous, voilà, révolution, enfin voilà, en tout cas, tout ça c'est pour montrer que il y a une forme de plaisir de l'anticipation qui est justement parfois de ne pas du tout se conformer aux intentions auctorielles, de faire exactement le contraire, voilà, truc un peu ludique. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles, quoi, dans le plaisir du récit. Alors, avant de donner la parole aux questions que nos camarades scénaristes peuvent avoir envie de vous poser, j'aimerais peut-être vous demander, est-ce que vous auriez quelque chose à... Est-ce que vous avez envie de brandir quelque chose ou un message vibrant à faire passer au monde des fabricants de récits de fiction d'aujourd'hui, en tant qu'analysant ces récits, en lien avec le chaos dans lequel on se trouve. Alors moi, ce que je défendrais à titre personnel, mais donc là, c'est vraiment mon avis, c'est un peu la question du public et en gros, comment faire pour créer des récits qui respectent leur public et qui s'adressent au plus grand nombre en même temps. C'est un peu ça. Moi, c'est un peu ça l'équation que je trouve assez intéressante à poser. Après, voilà, encore une fois, c'est vraiment, je parle en tant que moi-même et c'est mon avis. Et c'est peut-être pas du tout les directions que les gens ont envie de suivre. Et puis, c'est pas du tout un problème. Mais moi, en fait, c'est la piste que j'aimerais bien voir explorer. Ce serait celle-là, c'est-à-dire celle de de ne pas rejeter complètement le modèle hollywoodien, y compris le mot dans ce qu'il a de plus de ce qui pourrait apparaître comme le plus caricatural, parce que mine de rien, le modèle hollywoodien, il est capable de parler à beaucoup de gens, et y compris parfois à des catégories de la population qui se sentent complètement invisibilisées et oubliées. Par exemple, j'aime bien en ce moment l'exemple de Black Panther là-dessus, sur le film qui est un des rares récits un petit peu très grand public avec gros budget, etc. Bon, mais qui a été très 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 bien reçu par des adolescents noirs dans le monde entier qui n'avaient pas jusqu'à présent qui n'avait peut-être pas de super-héros ou de personnages auxquels se rattacher, s'identifier. Et du coup, c'est une grosse machine hollywoodienne qui leur a fourni ça, le plaisir d'avoir un récit qui
qui touchent leur expérience aussi, du racisme, des choses comme ça, et puis avec des, tout en le reliant à des, voilà, à un genre extrêmement, extrêmement populaire. Enfin, voilà, donc tout ça pour dire que voilà, ce qui me semble intéressant à poser comme question, c'est à qui parle-t-on quand on écrit un récit ? À qui veut-on parler quand on est scénariste ? Comment faire pour parler au grand nombre aussi, en fait, sans forcément, évidemment, sans sombrer dans l'application de manuels, parce qu'en fait, je pense que les manuels n'expliquent pas vraiment ça, les manuels de recettes de comment écrire, à quel moment il faut qu'il y ait une péripétie, etc. Bon, ça donne pas trop d'indications. Mais moi j'aime bien le modèle aussi, qui est pas parfait, hein, mais par exemple de la BBC. Comme moi, je travaille beaucoup sur les séries télévisées. J'aime bien ce que fait la BBC de ce point de vue, c'est-à-dire elle cherche souvent à produire des trucs, des séries qui parlent à beaucoup de gens et qui sont, et en même temps, la BBC donne beaucoup, beaucoup de moyens aux scénaristes et beaucoup de liberté aux scénaristes pour faire un peu ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, il y a toujours, je sais pas, des séries un peu pour enfants quasiment comme Doctor Who, qui sont un peu des bastions de la BBC, sont assez très intéressantes de ce point de vue-là, parce que moi, ce que je trouve assez fascinant dans ce type de série, c'est que des fois, c'est des vraies leçons de cinéma, en fait. Et il y a vraiment certains épisodes où c'est incroyable ce que fait le metteur en scène là-dedans, ce que font les scénaristes et tout, mais tout ça sans avoir l'air d'y toucher du tout, et en produisant quelque chose qui est très divertissant pour les enfants aussi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, le fait de comment faire en sorte que la virtuosité de la mise en scène, des techniques, etc., ne soit pas écrasante pour différents publics, y compris les publics qui n'ont pas une connaissance des questions techniques très poussées. C'est un petit peu ça que je dirais. Je parlais de cette question donc du sens qui moi me pose problème, parce que j'ai l'impression que la forme c'est toujours le fond, donc en fait elle se pose pas la question du sens, et que par contre la simplification du récit ou sa complexité, elle fait changer les sens et les représentations. Donc je voulais te faire parler, voilà, de ce moment-là qui est le nôtre, c'est-à-dire que nous, nés dans les années 60, 70 ou 50, où on a été modelés, et je parle d'un écosystème français, mais évidemment internationalisé, enfin en tout cas américanisé. Je voulais te faire réagir là-dessus. C'est pas vraiment une question, mais Alors, sur la complexité ou la simplification des récits, c'est ça ? Oui, oui. Et son lien, leur lien dans une éventuelle construction du sens, quoi. Oui, oui. En fait, je sais pas. Pour rebondir sur l'exemple de Disney et des contes de fées, je pense qu'en fait déjà c'est un peu trop simple. Pliste justement de dire que c'est seulement une simplification des contes de Disney, parce que pas des contes d'Andersen, de Grimm, etc. Il y a évidemment plein d'éléments qui sont simplifiés, qui sont supprimés, et tout est évidemment repassé par une sorte de machine hollywoodienne qui fait que il faut que ça se finisse bien, etc. Il y a plein de choses, mais il y a des éléments de complexité qui sont rajoutés de fait. Parce que en fait, il faut faire un film d'une heure vingt et création de nouveaux personnages, des choses comme ça. Voilà, il y a parfois des numéros musicaux qui sont pas dans le. Et tout ça, c'est de la complexité en fait par rapport aux matériaux littéraires initial en fait. Donc, du coup, la dynamique. Enfin, je pense que c'est parfois un peu difficile de penser uniquement en termes de complexité de simplification, parce que des fois je pense qu'il y a des récits qui sont d'une simplicité absolument presque minérale et qui produisent un sens très fort, et d'autres, des récits parfois très complexes
est formellement très inventif, etc., mais qui reste dans une sorte de virtuosité et qui n'apporte pas grand-chose, en fait, des fois. Et justement, après, ce qui est intéressant, pour parler de ça, si ça vous ennuie pas, je vais faire un petit point sur l'histoire de la narratologie, parce qu'elle est assez intéressante de ce point de vue-là et assez représentative, justement, de l'évolution de la pensée sur ces questions. C'est-à-dire, la narratologie dans les années 60-70 était pensée comme quelque chose de très formel, c'est-à-dire pensée vraiment justement les techniques, dont est construit un récit dans sa forme, c'est-à-dire les analepses, les prolepses, la manière dont se construit l'agencement chronologique du récit. Et justement, ce qui est très valorisé par les narratologues dans les années 70, c'est les récits complexes. C'est-à-dire, il y a une sorte d'opposition plus ou moins implicite entre le récit minimal, qui est pas très intéressant, où on part qui est chronologique. Et on part d'un point A pour arriver à un point B, et puis voilà. Et à côté de ça, une sorte de valorisation très forte des jeux de temporalité beaucoup plus poussés, type, évidemment, le modèle étant la recherche du temps perdu, quoi, qui est le modèle de complexité absolue. Mais en même temps, ces formes complexes-là, elles ont été... Et elles sont toujours très, très utilisées aussi par des récits qui apparaissent comme simples, en fait. Du coup, ou alors elles sont très utilisées aussi par le cinéma hollywoodien. Je ne sais pas, un truc comme Inception de Christopher Nolan, là, c'est vraiment quelque chose où il y a plein, plein de complexité au niveau formel, en fait. Mais après, est-ce que c'est... est-ce que pour autant de qualité du résultat final, pas sûr. Voilà, c'est ça. Et du coup, justement, et la narratologie maintenant, ça s'intéresse justement à tente d'avoir une perspective beaucoup moins normative sur le lien entre, enfin, sur la manière dont le récit s'articule, enfin, agence ces histoires, sans avoir d'idées préconçues en quelque sorte de ce que serait un récit complexe ou un récit simple, en fait. Et je pense que c'est en fait beaucoup plus difficile que ce qu'il paraît de distinguer entre des récits complexes et des récits simples, en fait, parce que si on situe la question à un niveau formel, effectivement, là, on peut se dire, en fait, plus il y a de complexité dans l'ordre chronologique, par exemple, si je me situe d'un pur point de vue narratif, plus c'est un récit complexe. Ouais, sauf qu'en fait, ça marche pas toujours très bien. Et après, au-delà de ça, des fois, un récit qui pouvait paraître simple a une réception beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, est-ce que la complexité se situerait pas aussi dans l'œil de ces spectateurs, en fait? C'est-à-dire, dans l'interprétation, on peut créer de la complexité ou de la simplicité. Donc, du coup, tout ça pour dire qu'en fait, je pense que c'est une question qui est assez difficile et qui ne peut pas se résumer à une question formelle. C'est-à-dire que ça va avec la culture dans laquelle nous on a grandi, et effectivement avec la narratologie type 70, celle que vous avez décrit, qui a fini de façon universitaire et qui a infusé partout dans les écoles et dans nos apprentissages, qui a fini par mettre le sens au-dessus de tout et au-dessus de l'histoire. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on se réapproprie petit à petit là maintenant les histoires pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour des histoires, et la question du sens elle ne vient que plus tard, et le sens se donne toujours. Oui, mais ça, c'est vrai que la dimension formelle qui était vraiment surinvestie par les narratologues dans les années 60-70, en fait, maintenant, est plutôt, non pas mise de côté, mais articulée à des questions des questions davantage rhétoriques, cognitives.
C'est-à-dire, en fait, bon, bah, la forme, c'est quelque chose qui est produit pour avoir une fonction, pour produire des effets. Et donc, on pense plutôt à partir des effets produits qu'à partir de la forme elle-même. C'est-à-dire, quelqu'un comme Genette, dans les années 60-70, faisait vraiment des typologies. Quoi. C'est, bah, voilà. Et puis, du coup, c'était quelque chose... là, il y a de l'analepse, là, il y a de la prolepse. Là, maintenant, bah, en fait, si on veut produire... Si le spectateur ressent de la curiosité, comment ça se fait? Comment ça s'explique hein voilà. Bon, ça, c'était une petite parenthèse, mais... oui, effectivement, je pense qu'en fait, dans les années 60-70, effectivement, il y a une survalorisation des questions formelles, et je pense qu'elle n'est pas seulement à l'université, mais aussi peut-être dans le cinéma, etc., qui en plus est construite en opposition avec la soi-disant simplicité des schémas hollywoodiens, et qui, de fait, en fait, ouais, c'est-à-dire, je pense que dans ce que vous dites, et avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est la question du sens n'est pas directement reliée à la complexité formelle. C'est un peu ça, je crois. Oui, c'est-à-dire on peut produire du sens en produisant des choses très complexes, oui, ça, bien sûr, mais des formes qui peuvent être extrêmement simples, qui peuvent paraître très simples, peuvent aussi produire tout à fait du sens. Disons que le truc, c'est que si on se pose la question du sens, je pense qu'on est confronté très vite au fait que le sens vient de beaucoup de sources différentes ce qui se construit dans la réception d'un récit n'est pas seulement lié que très très partiellement lié même aux structures formelles de ce récit. En fait, c'est vraiment un ingrédient parmi d'autres dans une structure de communication qui est extrêmement complexe. Et du coup, je pense que c'est bien de ne pas survaloriser aussi la complexité formelle. Surtout que, ouais, effectivement, nous, les narratologues, ça fait un petit moment qu'on s'interroge justement sur des questions qui étaient complètement mises de côté dans les années 60-70, à savoir, ou qui étaient dévalorisées, c'est-à-dire l'immersion, le fait de l'immersion fictionnelle, le fait de le suspense, des choses comme ça. Le fait de s'identifier, avoir de l'empathie pour lui, alors que dans les années 60-70, il y avait vraiment ce truc un peu, la conception du personnage, c'est le personnage est un être de papier qui est construit par des mots, tandis que là, c'est vraiment genre, ce qui intéresse les chez plus, mais comment ça se fait que, justement, oui, bien sûr, le personnage, c'est littéraire, c'est des mots, et comment ça se fait qu'on va vivre avec lui des émotions Disons que ça déplace un peu, et ça déplace la question du sens aussi. On va peut-être basculer vers la question de Mathieu, histoire de terminer le tour de table. Bonjour Anaïs, merci beaucoup pour votre intervention, qui était vraiment très riche. Moi, en effet, j'avais des questions à vous poser, j'en ai même pas mal, on verra si je les poserai toutes. Mais j'avais une question sur, est-ce que vous faites une différence? Parce que là, quand à vous écouter, c'était... Tous les récits étaient les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'était la fiction, récit, c'est pareil. Tout est pareil. On parle de story, quoi. Et moi, la question que je voulais savoir, c'est est-ce que vous faites une différence dans votre pratique à l'université entre récit et fiction? C'est-à-dire que... Oui, bien sûr. Il me semble que ce n'est pas la même chose, quoi. Bien sûr. En fait, moi, disons que j'ai parlé du... Par défaut, c'est vrai que j'ai parlé du récit de fiction. Mais un récit peut être non-fictionnel, évidemment, et une fiction peut ne pas être narrative. Donc, en gros, c'est deux domaines qui sont différents, la fiction et le récit, et qui peuvent être partagés, mais qui n'ont pas du tout... je ne limite pas le récit à la fiction, ni la fiction au récit. Ouais. Par exemple, un documentaire, c'est un récit non fictionnel. Après, les jeux, c'est des fictions non narratives. Ça ne va pas tous, mais les jeux de plateau, par exemple. Ma question, c'était plutôt sur le rapport justement avec la production du sens. Parce que quand on, dans le récit pur, à proprement dit, il me semble, on reçoit une histoire qui est vraie ou imaginaire, ou imaginée, mais qui est censé avoir lieu dans le passé.
Et par exemple, là en ce moment, enfin cette année, il y a eu le film sur De Gaulle. Le film sur De Gaulle, ça modélise pas forcément le réel, quoi, ou ça nous donne pas des scénarios d'anticipation, je crois. Alors que il y a d'autres types, en effet, d'histoires qui sont vraiment purement de fiction, du style imagine que il y a une pandémie et que on est tous voilà, il y a un virus mortel, etc. Et ce imagine que, me semble, c'est vraiment de la fiction au sens pur et dur, presque de la science-fiction, on peut même imaginer, ou de l'anticipation. Est-ce que vous faites une différence dans votre pratique entre ces deux types, en fait, de récits, le récit au sens strict pur et dur, où on fait semblant de raconter une histoire qui a peut-être eu lieu dans le passé, qui soit vrai ou faux, enfin, ou vrai ou imaginaire, et l'idée de vraiment un acte de fiction, d'élaborer une hypothèse qu'on sait qu'elle est soit impossible ou invraisemblable, ou en tout cas qui n'est pas de l'ordre du réel, et comment on articule ça au niveau du sens de ce qu'on vient juste de dire ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ouais, bien sûr. Alors, mais moi, en fait, bon, déjà, il y a plusieurs questions. Il y a celle de la mimésis, et c'est-à-dire que donc, et là, pour cette question-là, en fait, d'une certaine manière, enfin, je vais dire ça de façon très caricaturale. Alors, c'est pas exactement ça, mais en gros, c'est pareil. C'est pas exactement pareil, bien sûr, mais c'est-à-dire que est mimétique quelque chose qui s'appuie de toute façon sur le réel. Et ça, de toute façon, vous ne pouvez pas créer un monde de science-fiction sans vous appuyer sur le réel, parce que de toute façon, il faut qu'il y ait des êtres vivants, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une première question. Ensuite, l'autre question, donc, c'est celle du genre. Alors, du coup, est-ce qu'il y aurait des sortes de degrés de fictionnalité plus ou moins marqués ? Ça fait vraiment, vraiment débat parmi les chercheurs. Est-ce que tel genre est plus fictionnel que d'autres ? Ça dépend. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est très, très long. Mais en gros, ce que je vais dire pour revenir sur l'exemple un peu précis, c'est que effectivement, le cadrage n'est pas tout à fait le même. Et c'est pas, du coup, c'est pas le même rapport. C'est évidemment pas la. On vit pas un biopic sur De Gaulle et un film de science-fiction de la même manière. Ça, c'est évident. C'est-à-dire, ce qui est assez intéressant, le biopic, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ce qu'on va faire dès qu'on sort du film sur Charles De Gaulle ou de toutes les séries un peu historiques, je sais pas, The Crown. Des trucs comme ça, l'un des premiers trucs que font les spectateurs généralement, c'est aller sur internet pour vérifier est-ce que Bidule a vraiment fait ça. Ouais. Et du coup, il y a en fait à la fois, le cadrage est assez intéressant parce qu'à la fois c'est des films de fiction, c'est pas du tout présenté par des documentaires, c'est-à-dire que c'est joué par des acteurs, etc., les personnages sont morts, enfin voilà, donc on est dans un cadre qui est quand même présenté comme fictionnel, mais en lien avec des événements historiques. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on sort d'un biopic, par exemple, on ne va pas non plus se dire « Ah bah tout ce qui est raconté est vrai ». On ne le vit pas comme un documentaire. On va plutôt chercher à se dire « Ah mais tiens, est-ce que tel élément, ça s'est vraiment produit, telle scène exceptionnelle, est-ce qu'ils ont vraiment fait ça ?» Voilà. Et du coup, comme on sait très bien que un biopic, ben, c'est partiellement historique, partiellement tissé de fiction, il y a ce truc qui fait qu'on va vérifier si ça se passe vraiment comme ça, quoi. Et après, par contre, évidemment, quand on regarde un film de science-fiction, on ne va pas du tout avoir cette attitude-là. On ne va pas regarder, je ne sais pas. Est-ce que le docteur Spock a vraiment fait Capitaine Spock, je connais rien à Star Trek, mais a vraiment fait ci ou ça. Donc évidemment, mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que si dans un film de science-fiction, quelqu'un présente une loi physique, explique que les trous noirs, ça fonctionne de telle manière, là, on peut identifier ça comme potentiellement une source de connaissance. C'est-à-dire, ah tiens, est-ce que si je vois un film de science-fiction où il y a un scientifique qui dit « Ah oui, les trous noirs, machin. » Et après, ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier aussi, d'une certaine manière. Il y a quand même dans la science-fiction, il y a des choses où il y a des passages comme ça, où il y a des éléments qui sont de la connaissance, qui sont vérifiables, et où on va se dire si dans un film de science-fiction, il y a un scientifique qui présente une théorie sur les trous noirs, par exemple,
et on vérifie et on se rend compte qu'elle est fausse, cette théorie, on va dire « Ah ben là, c'est faux !» Là, dans ce, c'est pas là, là ils se sont trompés. Alors qu'on pourrait dire « Ah ben, c'est un film de fiction, donc ils peuvent raconter n'importe quoi. » Mais il y a quand même des éléments dans les films de fiction, y compris la science-fiction, où on veut que ce soit vrai, parce que ça reste rattaché au monde fictionnel. Ça reste des univers de fiction, mais dans chaque univers de fiction, il y a des parts d'informations qu'on analyse quand même selon les critères du vrai ou du faux. Alors que le principe, normalement, même le fonctionnement général de la fiction, c'est plutôt de ne pas... Enfin, c'est ce que montre Jean-Marie Schaeffer, par exemple, en gros, on ne peut plus pas qualifier une fiction en général de vraie ou de fausse, parce que c'est de la fiction. C'est plus les mêmes critères. Mais dans ces fictions, il y a des choses qu'on qualifie de vraies ou faux parce que ça reste rattaché au monde réel, évidemment. Un film qui dirait la Révolution française, où il y aurait la phrase la Révolution française a eu lieu en 1672, par exemple, on se dit, ah bah ça c'est faux. Sauf si, évidemment, c'est un film qui présente une histoire alternative. Dans ce cas, ou quelque chose comme ça, voilà. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, effectivement, pour revenir vraiment à votre question, en gros, la différence entre un biopic sur De Gaulle et un film de science-fiction, c'est qu'on a... ces îlots de vérité, en quelque sorte, ne sont pas les mêmes. En proportion et en nature, souvent. Ok. Merci. Merci okay. beaucoup. Ok. Ralitza, tu avais une envie de questionner ? Oui, oui. Anaïs, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant ce que vous avez présenté. Puis je vais poser ma question en anglais. Je m'exprime mieux. Bon, j'espère que je vais le formuler bien et concisely. In these times when you touched a little bit on this tendency of like mediatization, you know, of storytelling, et le aussi de beaucoup plus médiatisé. And I wonder, from the point of view of a storyteller and a filmmaker that was trained and is as an audience consumer of cinematic experience received in auparavant, you know, in the cinema. These days when more and more, you know, we are watching content online and on Netflix and Amazon and on this completely on this screen. What is your view on do we as storytellers need a form of adaptation or like, for example, it seems to me that there is a change of how meaning is constructed. And for example, for a story that is of less dialogue, relying more on visuals, on sound, relying more on temporality across 90 minutes, not across series of half an hour with a lot of cool actors talking. Where is the space in the future for that? If there is one, is it dead? What is your view on this kind of... Because what I fear is that when we make such cinema now, we would be subjected to a skip, you know? Because people are, you know, nowadays are just like that. Oh, and you know, the immersive experience, it's completely devaluated. So that's more or less what I was wondering to get a reaction on. Yeah. Okay. Donc je réponds en français, hein, ça va Oui, si oui, ça te va. Oui, ça va. Oui. Donc oui, en fait, en gros, c'est la question, c'est sur aussi le...
est-ce qu'il y a une sorte d'obsolescence médiatique de certaines formes de récits, en fait, hein, c'est ça. Bon, alors, bah, déjà, d'une part, dans l'histoire des médias, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même plutôt une tendance un nouveau média ne chasse pas le précédent. C'est pas mécanique comme ça. C'est-à-dire, bah, sinon, en fait, on ne lirait plus de livres, par exemple. Enfin, à partir du moment où on a d'autres technologies qui se sont mises en place, bah, non, le livre persiste tout de même. Après, il y a effectivement la question de... oui, il y a des technologies qui deviennent obsolescentes, ça c'est clair, genre, je sais pas, le magnétoscope, les choses comme ça. Mais après, ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant, les technologies qui sont devenues obsolescentes, n'ont pas, ça n'a pas nuit au cinéma en tant que tel. C'est-à-dire que c'est pas parce que le magnétoscope ne fonctionne plus que bon, bah, derrière il y a le DVD. Ok, voilà, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Après, ouais, sur la question du fait que, enfin, ce qu'on appelle une plateformisation du récit, en fait, hein, c'est-à-dire le fait que ça passe par Netflix, que ça passe par des écrans extrêmement différents. En fait, du coup, effectivement, de plus en plus, c'est assez normal, les récits s'adaptent à leurs médias, en fait. Et c'est-à-dire que du coup, de plus en plus, maintenant, il y a je crois qu'il y a des grands studios où ils ont constaté que les gens regardaient effectivement des épisodes de séries sur les films, sur des téléphones. Et du coup, ils travaillent sur l'image pour qu'elle soit, même au moment où elle est filmée, qu'elle soit adaptable à être vue sur un téléphone. Après, pour le coup, c'est pas ça qui va tuer le cinéma en tant que, enfin, voilà, le fait d'aller au cinéma. C'est-à-dire qu'on a plutôt une forme de multiplication des possibilités de visionnage que, mais pour l'instant, ça se traduit pas par la fin du cinéma. Enfin, du cinéma en tant que sur grand écran qui est conçu pour ça. Pareil pour la télévision. La télévision n'a pas été rendue obsolète avec les plateformes. C'est-à-dire Netflix ne tue pas la télévision pour l'instant. Les gens continuent de beaucoup regarder la télévision, y compris avec des séries. Ils continuent à regarder des séries télévisées à la télévision. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a une multiplication des canaux pour regarder un film, pour regarder une série, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça conduira nécessairement à la disparition de certains d'entre eux. Les salles de cinéma, évidemment, on va beaucoup moins au cinéma que dans les années 1920-1930, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas la télévision, ça c'est clair. Donc tout le monde allait au cinéma au moins une fois par semaine. Donc les fréquentations sont bien moindres, ça c'est clair. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que ça continue à exister, ça continue à être fréquenté, et les gens continuent d'aller au cinéma parce que il y a un gain quand même dans l'expérience, évident dans l'expérience d'aller voir un film au cinéma. Et même pour les producteurs, même en admettant qu'un scénario dans lequel les salles de cinéma se casseraient complètement la figure et qu'il n'y aurait plus de salles de cinéma, ben, en fait, les gens continuent quand même de chercher à avoir des expériences immersives au sens perceptif du terme, c'est-à-dire qu'avoir vraiment le plus de, en gros, un grand écran, du son très fort, du son de bonne qualité. Ben, je pense que là, les télévisions ont des formats de plus en plus gigantesques. Les gens achètent des petits écrans de cinéma personnels, ce qui veut dire, en tout cas, que je pense que le fait que les gens regardent les séries sur leur téléphone, par exemple, ou les films sur leur téléphone, c'est un peu par défaut, en fait. C'est-à-dire que ce que tout le monde préfère faire, c'est regarder... je pense que si on demande aux gens les meilleures conditions pour regarder un film, c'est le cinéma, c'est d'aller au cinéma. Parce que, enfin bon, là, voilà, c'est un peu sauvage comme sondage, c'est théorique, mais
En gros, le téléphone, les gens regardent ça parce qu'ils sont dans, ils s'ennuient dans les transports et qu'ils cherchent à s'occuper. Et, ou alors parce que c'est des adolescents et que c'est pas eux qui ont la maîtrise de la télécommande et de la télévision, c'est leurs parents. Et du coup, et qu'ils n'ont pas forcément d'ordinateur personnel. Et donc, la seule manière de regarder une série, c'est sur le téléphone. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça reste quand même quelque chose par défaut, et pour l'instant en tout cas, et puis même je pense que ça va le rester, et que c'est l'expérience la plus qui est vécue comme l'expérience qui est vécue comme optimale, c'est plutôt de regarder un film ou une série sur un grand écran. Voilà. Et du coup, je pense que ça me semble un petit peu prématuré de s'inquiéter de la disparition possible de ces formes de récits-là. Et de fait, quand on est au cinéma, on se fait pas trop zapper. Quoi. Le spectateur ne peut pas zapper. Quoi. Donc, mais après, je pense qu'effectivement, en tant que scénariste, c'est évidemment essentiel de penser au mode de réception, aux usages. Et de se demander si on veut faire un film qui pourra être visualisé sur écran de téléphone ou pas. Parce que là, effectivement, c'est évident que les problématiques ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est un film qui se destine plutôt pour être regardé sur un téléphone, ou est-ce que c'est quelque chose qui va travailler sur les champs larges et tout pour être vu sur un grand écran? C'est une vraie question. Mais en tout cas, moi, je pense vraiment pas que le fait qu'il y ait des systèmes qui permettent effectivement le zapping, de passer d'une chose à une autre, conduisent à l'abolition d'autres systèmes où de fait sont plus contraignants pour le spectateur, parce que ça veut dire que quand il va au cinéma, il va dans une salle, il n'a pas le droit de sortir, s'il sort, il se fait engueuler, pendant le film, il se fait engueuler, enfin voilà. Mais les gens aiment bien quand même continuer d'aller au cinéma quand même, même s'ils ils se sont aussi habitués à d'autres formes de réception où ils maîtrisent complètement beaucoup plus la temporalité et leurs activités annexes. Quoi. Mais bon, d'une certaine manière, cette sorte de coexistence de différentes formes d'usage et de réception ont toujours existé. Quoi. C'est-à-dire que... depuis longtemps, enfin, c'est en tout cas c'est classique de regarder la télévision en faisant autre chose, en n'étant pas très concentré, d'écouter la radio en faisant autre chose, de lire un livre en sautant des chapitres, enfin voilà. Et du coup, de fait, produire un film, c'est de toute façon se confronter au risque d'être mal reçu quand on est scénariste, je pense qu'on a toujours une peur d'être mal interprété, qu'il y ait de mauvaises réceptions. Je pense que c'est forcément le cas, parce que quelqu'un qui est confronté à un film se l'approprie d'une manière ou d'une autre, donc ne se conformera jamais aux intentions d'auteur. Et des fois, ça peut donner des choses très chouettes, je pense. C'est-à-dire, je pense que les créateurs peuvent être positivement surpris par la manière dont les récepteurs se réapproprient leur film, en fait. Voilà. Et du coup, je pense que c'est un problème qui est lié aux technologies, mais aussi plus largement à la variété des usages qui a toujours existé. Juste savoir, peut-être de manière plus personnelle, Anaïs, en vous écoutant, j'ai quand même senti que vous veniez un peu du plaisir et de la série. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de faire ces recherches-là? Et est-ce que vous pouvez un peu nous dire un peu comment vous avez fait ces recherches? Ouais. En fait, moi, si je parle beaucoup de séries, c'est parce que c'est mon objet d'étude, effectivement. En fait, moi, je suis spécialiste de ma thèse. J'ai fait ma thèse sur le récit sériel sous toutes ses formes, du roman feuilleton aux séries télévisées, en essayant justement de trouver des points communs au-delà des différences d'époque, de culture, enfin, des différences médiatiques aussi. Donc, et pour comment moi j'en suis venue à ça, c'est que en fait j'avais l'impression que déjà par l'angle théorique, c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire que c'est pas j'ai voulu faire de travailler. En fait, au départ, moi, je voulais travailler sur le suspense, en fait, pour ma thèse. Je me suis dit, ce serait bien. Et puis, je me suis rendu compte que Raphaël Baroni, qui a été mon directeur de thèse, du coup, avait déjà produit le bouquin quasiment définitif sur le sujet. Et,
Et du coup, en fait, donc moi, je me suis située dans sa lignée, à la suite de ses travaux. Et je me suis dit que ce serait très intéressant de travailler sur les formes sérielles, parce que la narratologie a plutôt été conçue à partir de formes de récits assez spécifiques, plutôt des récits brefs et qui sont complètement déterminés du début à la fin. C'est-à-dire que les créateurs, en gros, les auteurs, commencent une histoire, ils savent généralement comment ça se termine, et tout dans le récit est construit de façon un peu mécanique pour mener à la fin. C'est le principe que Marc Escola appelle le clou de Tchekhov, le clou de Tchekhov. C'est-à-dire pour dire que, si dans un livre, à un moment, on parle l'auteur se met à décrire un clou planté dans un mur, c'est parce que le héros va s'y pendre à la fin. Voilà. Et ça, c'est des conceptions extrêmement déterministes du récit, à la fois au niveau de la production et de la réception. Et moi, je me suis dit, mais en fait, ce serait très intéressant de travailler, de repenser les modèles narratologiques aussi en fonction de récits qui ne sont pas prédéterminés. Okay. C'est-à-dire une série télévisée, les gens savent quand ça commence, mais ils ne savent pas quand ça finit. Donc du coup, c'est vraiment des logiques de création qui sont beaucoup plus additionnelles en quelque sorte. C'est-à-dire, on commence quelque part et puis après on voit où ça mène. La réception a une vraie incidence directe sur la continuation ou pas du récit. Et ça, c'est plein de choses qui m'intéressaient aussi. C'est-à-dire que du coup, on pouvait pas. Ça m'a permis de faire des modèles de narratologiques qui ne pouvaient pas exister hors contexte aussi. En fait, c'est-à-dire vraiment, à partir du moment où l'auteur, déjà est pris dans un système très contraint, où il ne fait pas exactement ce qu'il veut, où en plus il commence, il ne sait pas exactement quand ça va se terminer, et si ça ne marche pas, c'est annulé. Ça oblige à penser des modèles du récit qui ne sont pas, qui n'ont pas la clôture des modèles structuralistes des années 60-70, où là, en gros, dans les années 60-70, on regardait un objet, le récit, on regardait la lettre du texte, et puis c'était à peu près tout, quoi. C'était vraiment, ils essayaient vraiment de penser un objet, l'objet en tant que tel. Là, quand on travaille sur les séries, c'est impossible de ne pas penser avec le contexte autour, sinon on comprend pas grand-chose, quoi, et ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de... C'est un récit ouvert. C'est ça. C'est du récit ouvert. Et du coup, pour moi, c'était vraiment l'idée de compléter, de reprendre les théories du récit en me fondant sur des modèles qui sont différents de ceux qui ont servi de prototype pour les structuralistes notamment, quoi. Voilà. Ok. C'est bon de votre côté, monsieur dame? C'est bon. Bon, eh bien, merci Anaïs, à toi. Merci de nous avoir aidé à chauffer la machine pour aller vers cette semaine. Et merci pour la vue d'ensemble de ton démarrage. Et c'est bien utile pour nous.